Bonjour, je m'appelle Florent Lamingue et je suis le cofondateur d'Upfit. Upfit, c'est une réponse à un problème très simple pour la mode en ligne. C'est un module qui s'implante sur les sites marchands de mode pour conseiller la bonne taille de vêtements en quelques secondes sans que vous ayez besoin de vous mesurer, ce qui vous évite d'aller à la poste quand vous achetez un vêtement qui ne vous va pas. Donc ce soir, c'est un peu la soirée du cluster Reddit. Le cluster Reddit nous suit et puis on les suit aussi. Depuis à peu près un an, on a commencé l'année dernière en fait, à les connaître par le pitch de ce soir, avec le pitch 333. Et depuis, on chemine un petit peu ensemble. Eux nous accompagnent sur des mises en relation, sur des ateliers de formation, par exemple sur tout ce qui est UX, web design, et puis sur des apéros où on va connecter entre différentes personnes de l'IT. Eh ben, pour moi, je suis Morgane, le fondateur de WeBuzzIt. WeBuzzIt, c'est la première plateforme française de crowd speaking. En fait, le crowd speaking, c'est de la communication participative. Si vous avez un projet innovant ou créatif, vous venez sur WeBuzzIt, vous créez votre campagne, vous décrivez votre projet. Et cette campagne, en fait, finalement, à la fin, elle a une date de fin. Et à cette date de fin, vous avez un objectif. L'objectif, c'est d'avoir des supporters qui soutiennent votre campagne et qui vont vous faire profiter de votre réseau, de leur réseau derrière. En fait, parce qu'en vous soutenant, ils vont diffuser automatiquement sur leurs réseaux sociaux un message de soutien à votre projet. Donc ça peut vous permettre de toucher des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à plus de 100 000 personnes d'un seul coup, en profitant de ces relais de croissance. Donc moi, ce soir, j'ai pitché pour le cluster. Et donc, moi j'étais assez impressionné parce que c'était la première fois en fait que je pitchais devant autant de personnes. Donc je crois que ce soir il y avait 150 ou 200 personnes de présentes. C'est bien, ouais. Donc c'était assez impressionnant. Mais pour le coup, c'était très intéressant parce que ça permet d'avoir un vrai retour et un vrai feedback sur son projet. Puisque à la fin, là, depuis tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir me donner leur avis sur mon pitch et sur mon projet. Et ça permet de récolter pas mal de retours intéressants. Et en plus de ça, de faire des bons contacts business. Hein. J'ai eu pas mal de cartes de visite pour d'éventuels partenariats ou d'éventuels échanges par rapport à mon projet. Donc je suis plutôt satisfait de cette première expérience avec le cluster.